السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد. Cette vidéo elle complète le comportement. C'est la deuxième vidéo parce que on pouvait pas empaqueter tout dans la même vidéo. Alors toi qui fais la prière, qui exécute l'ordre d'Allah pour faire la prière, Ada al-Salat, et tu fais ta prière, et tu as connaissance, ilm, al-Qur'an al-Karim, et tu fais comme sunnah, et tu fais la prière, tu sors de la mosquée, et tu fais tout qui n'est pas compatible avec la religion, donc l'islam, ton islam à toi, il est incompatible avec l'islam réel que tout le monde connaît. Alors écoute bien, si tu sors de la mosquée et tu fais sadaqa et tu fais moi tu sais l'autre là, c'est moi qui lui ai acheté une voiture, c'est moi qui lui ai donné et son papier là, le harrag, c'est moi qui l'ai aidé, il dormait dehors et c'est moi qui l'ai aidé. Mon frère, tu veux faire sadaqa, sois discret, fais-la entre toi et Allah et la personne à qui tu donnes. Ça sert à rien que tu vas te vanter comme quoi tu as de l'oseille. Allah il peut te donner, le jour au lendemain il peut te mettre à terre. Alors écoute cette histoire. Le comportement. L'islam, c'est le comportement. Omar ibn Khattab, mais qui était dans l'âge, dans le temps, il était un il veillait sur sa population. Donc il fait le tour, il regarde. Il a trouvé une tente à la sortie de la ville. Une dame, il vivait là-bas. Elle vivait là-bas. Elle était très très pauvre. Franchement très très pauvre. Il vient et ça l'a blessé. Ça l'a blessé. Il rentre chez elle. Il dit, il n'y a personne qui te donne à manger, tu es dans cet état. Il dit, il n'y a personne. Il dit, est-ce que Amir al-Mu'minin est au courant? Il dit, personne n'est au courant de ma situation. Il court vers la trésorerie, il prend du blé, il prend à manger avec du miel. Il dit au trésorerie, porte-moi le sac. Le mec de la trésorerie, il a cru que c'était pour lui. Omar ibn Khattab, il dit, non, non, mets-le sur mon dos à moi. Pas sur ton dos à toi, mets-le Amir al-Mu'minin sur son dos. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le miel et d'abord il répond au monsieur, il lui dit, Dunoub que moi j'ai fait, c'est pas toi qui vas les porter chez Allah, c'est moi qui vais les porter chez Allah sur mon dos. Donc Dunoub à moi c'est moi, Hassanet c'est moi qui va aller pour effacer le Dunoub ce que j'ai fait. Subhanallah, Omar ibn Khattab. Alors la discrétion dans le sadaqa, écoute-moi. Quand il arrive chez la dame, il lui fait à manger, il prépare et tout et tout. Elle était, vous ne pouvez pas imaginer, elle n'avait rien et d'un moment à un autre, Omar ibn Khattab, il va lui donner. Mais au départ, il n'a pas dit que c'était Omar ibn Khattab, il n'a rien dit et elle, elle n'a rien dit. Donc il donne à manger. Écoute bien mon frère, toi qui joues j'ai donné ou je vais donner. Omar ibn Khattab, Amir al-Mu'minin, qui est très proche du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ahsan khulq ou ahsan khulq. Il donne à manger, la dame, elle lui dit, tu es mieux que Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il est mieux que Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il ramène à manger et la dame, elle dit, Wallah, tu es mieux que Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab. Elle savait même pas que c'était lui. Elle lui dit, tu es mieux que Amir al-Mu'minin. Ma'ajabak ya Omar ibn Khattab. Donc c'est la discrétion, c'est le